Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Merci de nous retrouver sur ce plateau spécial. Une rencontre avec les grandes figures de la presse ici à Kinshasa pour analyser la situation qui prévaut dans nos assemblées provinciales et principalement ici à Kinshasa. Vous savez que depuis la décentralisation, on a mis en place des assemblées qui doivent élire le gouverneur. Et depuis un an, il se passe dans notre pays une situation sanitaire assez difficile, qui a plombé quasiment toutes les activités. Mais il y a des activités, on va dire, parlementaires dans quelques provinces qui ont conduit parfois à la déstabilisation de certains exécutifs. Il y a même deux présidents des assemblées provinciales qui ont été mises de côté parce que les élus, les députés provinciaux ont développé, les provinciaux ont débité des théories qui ne semblent pas tenir. Alors on va essayer avec les journalistes aujourd'hui sur ce plateau de comprendre qu'est-ce qui choque. Est-ce que ce sont des habitudes? Est-ce que ce sont des manœuvres pour pratiquer ce qu'on dit « au toit que j'ai mis mettre » ou tout simplement les cosnéambules, les arrangements qui font que le pays n'avance pas. Nous allons le faire en toute liberté et surtout pour orienter l'opinion sur ce qui doit être fait pour que ce pays avance. Alors pour cela, j'ai naturellement, comme vous le savez, ce qui passe pour être des journalistes robustes avec des points de vue qui font école chez nous. Willy Kalingaï. Bonsoir Jean-Marie. Géopolis. Eric Chikouma. Bonsoir Jean-Marie. Et Jérôme Sekana. Bonsoir JMK. Et Israël Moutala. Bonsoir. Alors, nous avons à la fois ceux qui ont la tendance économie, d'autres tendances politiques et puis d'autres tendances stratégiques. Question que je dois demander à Jérôme Sekana, c'est depuis qu'on a décentralisé la RDC, les buts poursuivis, c'était quoi? Rapprocher le pouvoir du peuple, du souverain primaire, ou permettre à chaque province de se développer avec un leadership local? Les deux. L'objectif poursuivi était qu'on puisse rapprocher les administrants des administrés, mais également permettre aux autorités politico-administratives locales de pouvoir penser des stratégies de développement et les proposer au plus haut niveau et pour que des solutions idoines soient trouvées au développement. C'est ça qui a fait d'ailleurs qu'on a vu notre dette extérieure gonflée parce qu'il y avait une certaine liberté au niveau des provinces. On pouvait monter des projets, on pouvait aller rencontrer des investisseurs à l'extérieur et comme c'était de manière incontrôlée, on a eu parfois la dette extérieure qui a gonflé. Heureusement qu'on a recadré les choses. Maintenant, on ne peut plus aller prendre la dette à l'extérieur sans passer par le gouvernement central et c'est une bonne chose. Mais ce qui est vrai est que le pays va mal. Le pays va mal dans la mesure où on a décentralisé sans que nous n'ayons les moyens de notre politique. Vous avez presque toutes les 26 assemblées provinciales qui ne sont pas payées régulièrement, pas des frais de fonctionnement, pas de salaire, à l'exception de quelques-unes. Par exemple, pour la ville de Kinshasa, ils n'ont jamais eu des retards. Oui, ils n'ont jamais eu des retards. Ils ont leur salaire et je vais vous les dire pourquoi. C'est un problème de vision, de management. Mais dans d'autres provinces, c'est vraiment surtout que la caisse de péréquation n'est pas encore opérationnelle. C'est cette caisse de péréquation qui pouvait rééquilibrer les choses. Et il y a la rétrocession, quand bien même la Constitution a prévu que cette rétrocession soit automatique, c'est-à-dire soit prise à la source. Mais vu la modicité de nos moyens, on ne mobilise pas au-delà de 4,5 milliards de dollars pour l'ensemble du pays. Et donc, c'est difficile de laisser les assemblées provinciales ou les gouvernements provinciaux de piquer 40% sur les recettes mobilisées à l'intérieur du pays. C'est-à-dire prendre oui. À la base. Enfin, la retenue à la source, là, ça ne peut pas se faire. Oui. Donc, c'est ça le problème. Donc, on se retrouve avec le gouvernement qui n'a pas les moyens de sa politique et on a le gros du budget, nous les consommons rien que pour le fonctionnement des institutions, avec un déséquilibre total en ce qui concerne la tension salariale.
Vous avez ceux qui travaillent au niveau de Kinshasa ont de gros salaires, les autres, les fonctionnaires, vous voyez les écarts très, très, très grands, et ce n'est pas une bonne chose. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord, un, il faut réduire le train de vie des institutions, diviser même par cinq pour se faire violence, pour essayer d'équilibrer les choses. Deuxièmement, il faut qu'il y ait les règles de la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique. Parce que lorsqu'on a pris des habitudes, Jérôme Sekana, des habitudes de consommation, on a vu pendant ces 10 dernières années, où on a vu par exemple ici à Kinshasa ou même à l'intérieur du pays, des élus rester accrochés au gouverneur avec des traitements de faveur. Est-ce que ça change assez facilement ces genres de comportements? Non, vous savez, c'est un exercice que nous sommes en train d'apprendre. Et les gouverneurs de province, d'abord il y a modicité des recettes, ils sont obligés, comme la rétrocession n'arrive pas régulièrement, ça arrive à compte-gouttes, de se contenter des maigres recettes qu'on trouve au niveau de qu'on collecte au niveau des provinces. Et pour se sécuriser, les gouverneurs doivent donner de temps en temps quelque chose. La rubrique la plus importante qui est alimentée en termes d'affectation des fonds, c'est les assemblées. Et si les gouverneurs cherchent un peu à dire non, voilà, ça, on peut quand même initier quelque chose, il a tout de suite des problèmes. Donc, il faut que les députés provinciaux puissent avoir l'argent et que leurs préoccupations ne soient pas reléguées. Donc, parce que c'est le chef de l'exécutif provincial qui décide de l'affectation des maigres fonds. Et c'est ça qui est à la base. Parfois, on dit, bon, il y a des motions de défiance, parce que toi, tu ne veux pas nous donner ceci. Il y a beaucoup de chantage, beaucoup d'antivaleurs. On va regarder cela un peu de très près. Willy Kalengai, parlons principe aujourd'hui. Est-ce que la déstabilisation de nos provinces, de gouvernements provinciaux, des gouverneurs qui sautent, même leurs présidents d'ailleurs, qui sont parfois désavoués par les élus, est-ce que ce ne sont pas des antivaleurs qui ont fait réguler ces pays et qui continuent à faire réguler ces pays? Il est vrai que je vais ajouter à ce que Jérôme a dit un autre paramètre, qui est d'ailleurs par lequel on devait commencer, c'est la précarité, la pauvreté. Il ne faut pas oublier que dans un contexte de pauvreté institutionnelle, les loups, l'homme devient un loup pour un autre. Aujourd'hui, qu'est-ce que les assemblées provinciales? Vous allez regarder les deux années qui viennent de s'écouler. Je peux vous dire que sur les 26 assemblées, il y en a au moins une ou deux qui ont voté des édits. Une ou deux? Bien sûr. C'est pourquoi elles ont été mises en place, n'a pas été fait. Mais c'est du quoi? C'est la Covid qui est passée par là ou c'est simplement il n'y a tout pas cela, d'activité? Non, il y a tout cela. Aujourd'hui, la première des choses que les députés provinciaux, je respecte beaucoup d'entre eux, ont mis en place, ce que vous avez cité tout à l'heure, ils ont développé une arme à destruction immédiate, notamment les pétitions. Ce sont les pétitions. Oui, ce sont des armes, parce que vous voyez, le gouverneur de Kassai-Oriental vient de vivre une détonation. Mais il est tombé, bien sûr. Ce sont des armes à destruction immédiate. Donc quand 17 députés se réunissent, ils ne sont pas contents de vous, ils votent à la majorité, vous tombez. Nous avons effectivement mis en place des institutions provinciales démocratiques, mais nous devions en même temps que vous démocratisez, vous devez aussi mettre en place des mécanismes de stabilisation. Ce qui a manqué, et c'est justement cela, oui, c'est qu'on a mis en place des institutions démocratiques, décentralisées, mais on n'a pas mis en place un mécanisme de stabilité. Il faut des clauses de stabilisation là où vous avez délégué le pouvoir. Même la circulaire du ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, demandant aux assemblées provinciales de ne pas toucher au gouverneur. Mais il n'en a pas le pouvoir, malheureusement. Il n'en a pas le pouvoir? Oui, il n'en a pas le pouvoir. Vous voyez, il n'en a pas le pouvoir, il les fait parce que les gens obéissent à l'autorité centrale. Donc, parce qu'il n'y a pas de mécanisme de stabilisation, parce que, et Jérôme l'a dit très bien, parce que vous ne financez pas une institution, eh bien, elle va trouver des moyens, malheureusement, pour survivre. Et les moyens que les institutions provinciales ont trouvés pour survivre sont des moyens déviants, notamment chantage sur le gouverneur, notamment chantage sur
le président de la province, bien sûr. Oui. Et vous avez même vu que beaucoup de députés provinciaux sont venus jusqu'à Kinshasa pour pouvoir réclamer. Nous avons le devoir de nourrir nos assemblées provinciales en leur donnant les moyens qui conviennent. Mais à partir du moment où il n'y a pas de moyens, il faut le dire. Comment voulez-vous qu'un député fasse 9 mois Sans fonctionner. Sans être payé. Sans salaire. Alors, la première chose qu'il va imaginer, c'est que les moyens existants dans la province sont accaparés par le gouverneur. Parce que le gouverneur, lui, on le voit toujours, il est toujours bien. Il fait toujours ses réunions. Et pourtant, le gouverneur aussi, il tire les diables par la queue pour pouvoir survivre. Si vous voulez connaître la situation générale de nos provinces, demandez aux banques. Les banques vont vous dire que toutes les provinces ont des découverts ici. Ah bon ? Sont endettées. C'est alors, une vérité qui n'est pas dite. On ne le dit pas. La plupart des banques donnent des moyens, même des salaires, des avances. Le gouverneur vient, écoutez, j'ai une motion demain, écoutez, aidez-moi. À ce point ? Mais je vous dis, aidez-moi, quand on va, la rétrocession viendra, de toutes les façons, je peux vous donner quelques avantages. Et d'ailleurs, il y avait même des gouverneurs qui gagent même les recettes. Et ce n'est pas bon. Et dans la ville de Kinshasa, parce qu'on en parle, oui, on a même gagé des recettes pour 7 ou 8 ans. En fait, la pauvreté, le fait que nous n'avons pas été conséquents dans les choix stratégiques et constitutionnels de cette décentralisation, par ailleurs, moi, je suis d'accord qu'on ait eu diverses provinces. C'est un premier pas dans le développement de notre pays. Mais le deuxième pas, c'était la viabilisation de ces provinces. Malheureusement, les politiques congolais, à partir du moment où il a obtenu par la loi quelque chose qui était l'objet de ses revendications, il oublie d'utiliser l'intelligence pour viabiliser ce qu'il a obtenu par la loi. C'est comme ça que nos provinces sont malheureusement aujourd'hui pauvres. Vous avez des provinces où les gouverneurs pratiquement ne font plus rien. Pratiquement plus rien, il n'y a pas de conseil des ministres. Parce que même certains ministres ne sont pas payés. Vous voyez, donc... Alors, on doit venir maintenant sur le plan, on va dire, structurel. Eric Tshukuma. Ici à Kinshasa, nous avons un gouverneur provincial qui est dirigé par Jean-Denis Kobila avec une assemblée. Quelqu'un disait qu'il devait y avoir une stabilité à Kinshasa. Stabilité entre les deux institutions, législatives et exécutives. Comment expliquer que, au niveau de l'assemblée provinciale, on reproche au président de cette assemblée des choses qui sont, on ne peut plus, aléatoires? Premièrement, on dit qu'il n'y a pas assez de plénières en 2020. Et Dieu sait qu'il y a eu confinement en 2020. Bien sûr. C'est orienté, c'est involontaire, c'est quoi? Bien sûr, avant de répondre... Parce qu'avec le tableau que Willy vient de peindre, avec, on ne peut plus clair. Bien sûr, avant c'est de répondre... Ce n'est pas une forme de chantage qui est faite à ce président de l'Assemblée provinciale. Avant de répondre à votre question, j'aimerais bien placer un mot au regard de ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense qu'il se pose un sérieux problème de viabilité de nos provinces qui sont économiquement pauvres. Le peu de provinces, s'il faut prendre l'ancienne configuration de 11 provinces, il n'y en avait que 4 provinces qui étaient économiquement, entre guillemets, viables. Toutes les autres provinces sont pauvres. JMK, j'espère que vous avez circulé dans plusieurs provinces. Bien vous sûr. Avez vu la nature de la pauvreté. Vous avez palpé du doigt la pauvreté qui mine nos provinces. Pas d'infrastructures viables, pas d'activité économique qui puisse générer des recettes publiques, ainsi de suite. Donc, il y a des sérieux problèmes. Ça vaut aussi pour Kinshasa. Pourquoi je le dis? Mais Kinshasa concentre le budget, autant d'activités, le budget, il y a autant de taxes. Le budget de la ville province de Kinshasa est constitué à 70%, à plus de 70% des recettes provenant du gouvernement central. Comment expliquez-vous cela? Il y a un sérieux problème de viabilité économique. Ça signifie que les dépenses liées au fonctionnement de toutes les institutions de la ville de Kinshasa, l'argent vient... du gouvernement central, les salaires, le budget d'investissement, tout doit provenir du gouvernement central. Ce n'est pas du tout correct.
Donc, il se pose un sérieux problème de viabilité. Dans un contexte de pauvreté, quoi de plus normal que des élus provinciaux développent des mécanismes un peu plus... Est-ce que ces mécanismes sont compréhensibles? Pas du tout. Parce que nous sommes là pour parler de principes. Pas du tout. C'est pas du tout compréhensible. Les députés provinciaux, autant que les responsables des institutions provinciales, tels que le gouverneur de province et tout son gouvernement, devraient travailler ensemble, de commun accord, main dans la main, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent lever cette difficulté ou ces obstacles liés à la viabilité économique de leur province. Ça devrait être une priorité de priorité pour ces élus. Je pense que le chef de l'État, peut-être qu'on a oublié, je me souviens très bien, parce que j'ai suivi de très près cette situation. À l'époque, il y avait au moins 7 à 8 provinces où il y avait des motions, des censures qui s'enchaînaient. Oui. Donc, c'était des destructions immédiates, comme l'a dit. Semaine par semaine, semaine par semaine. Donc, c'était personnel. Le chef de l'État tapait du poing sur la table au cours d'un conseil de ministres. Je me souviens bien, c'était en novembre 2019. Oui. Pour dire qu'il fallait mettre fin à cette pratique, à cette propension c'était une gangrène complètement. Qui vise en fait à déstabiliser les provinces. À déstabiliser le province. C'était le règlement de compte. Je pense que c'est des mots que lui-même a utilisés au cours du conseil de ministres. Et je pense que d'où la circulaire de Cancondé. Justement, mais c'est après. Mais le chef de l'État ne s'est pas limité à taper du poing sur la table. Il a préconisé deux mesures urgentes. D'après lui, je pense qu'il faut relire le compte rendu du Conseil des ministres, fin novembre, je me souviens bien, où il a dit, premièrement, il fallait un séminaire de recadrage des responsables des institutions provinciales. Ça vaut pour les députés provinciaux, ça vaut pour le gouverneur de province ainsi que toute son équipe gouvernementale. Donc ça, c'est une priorité. Ça rejoint ce que Willy était en train de dire tout à l'heure. Il faut des mesures ou des clauses de stabilisation qui doivent... Mais qui doit initier ça? Parce que je vois que ça recommence. On a parlé du Kassai oriental, il n'y a pas longtemps, c'était l'Équateur. Mais on risque de vivre la même chose à Kinshasa. Je pense que cette analyse qui voit quand même son pesant d'or, parce que si on laisse les choses aller dans ce sens ici... L'impulsion devrait venir du gouvernement central, de l'exécutif national. Et le gouvernement provincial, ainsi que les assemblées provinciales, devraient se mettre ensemble pour voir comment implémenter ces clauses de stabilisation, c'est très important. Puis deuxième mesure préconisée par le chef de l'État, mesure urgente, c'était que les gouvernements, les institutions provinciales devraient recevoir leur rétrocession de manière régulière. Parce que si vous ne le faites pas, comment expliquez-vous 9 mois, quelqu'un qui n'a pas touché à des émoluments, qui vit dans un contexte de pauvreté extrême, dans un environnement où tout le monde voit qu'il est député, alors qu'il n'a pas de moyens pour subvenir aux besoins à chaque fois qu'on lui demande? Celui-là, c'est tout à fait normal qu'il développe des mécanismes. Donc, je pense que c'est des pratiques qui ont déjà été dénoncées par le chef de l'État. C'est le premier citoyen de Congolais qui a tapé du poing sur la table. Est-ce que ça a été entendu ? C'est ça la question. Il faut que ça soit entendu. Et je pense qu'il revient au chef de l'État, si peut-être ses services ou lui-même ont oublié, de revenir, d'insister pour que ces mesures soient mises en œuvre. Ceux qui sont en train de nous suivre doivent absolument prendre bonne note parce que il y a fait en la demeure quand même à ce qui se passe en ce moment à Kinshasa. Israël Moutala, est-ce que la crise économique seule suffit à développer des arguments du genre à Kinshasa, il n'y a pas une production législative conséquente en 2020, mais nonobstant tout ce qu'il y a eu comme mesure sanitaire? Ce débat est très intéressant parce qu'il révèle une partie de notre déchéance morale. On a parlé tout à l'heure de la décentralisation de notre pays en 26 provinces pour améliorer la gouvernance. Mais en décentralisant, on a aussi décentralisé l'État. C'est ça la grande question. On a aussi décentralisé la corruption. On a décentralisé les mauvaises pratiques. On parle de viabilité économique, mais la grande question qu'il faut se poser, est-ce que
nos députés provinciaux, il faut une viabilisation aussi morale. C'est ça la grande question. La question est éminemment éthique. Éthique, dites-vous? Absolument. Elle est morale, elle est éthique. Mais pourquoi on s'adonne à ça quand c'est répréhensible? Parce que je comprends justement que l'état de précarité peut pousser certains députés provinciaux à dévoyer justement les pouvoirs qui sont les leurs, que leur confère justement la Constitution, à savoir contrôler les exécutifs provinciaux ou même contrôler les bureaux des assemblées provinciales. Mais ils utilisent leur pouvoir maintenant à des fins politiciennes de basse besogne. Ils font du chantage. Donc, le cas de Kinshasa est un cas symptomatique. Kinshasa n'est pas dans la situation de la province de la Chuapa, par exemple, qui n'a pas de moyens, où des députés provinciaux ont accumulé un certain nombre d'arriérés. On a dit que Kinshasa faisait exception en termes de paiement, par exemple. Kinshasa, je pense que... Même en termes de chariot automobile. Je pense que les députés de Kinshasa, les députés provinciaux de Kinshasa, sont mieux traités que certains ministres des pays occidentaux les plus oui, riches, absolument. Et donc, ils sont à l'abri du besoin, ils ont bénéficié de beaucoup d'avantages parce que le bureau de l'Assemblée provinciale à développer des mécanismes justement pour permettre aux députés de bien faire leur travail, de les mettre à l'abri des sollicitations, de la corruption. On les a mis dans un confort matériel. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Donc je pense que Kinshasa, Bakongo et le Lualaba, oui, et le Haut-Katanga, ce sont les provinces où justement le Nord-Kivu aussi. Oui. Nord-Kivu aussi. Oui. Ce sont les cinq provinces où les députés ont un confort qui n'a rien à envier aux ministres nationaux. Et même, comme je le dis, de certains pays. Voilà pourquoi je dis ici, pour moi, c'est vrai que Kinshasa a une part de responsabilité aussi par rapport à la rétrocession. La rétrocession, ce n'est pas de l'aumône de Kinshasa. Les recettes, c'est le droit. Les recettes, c'est un droit. Les recettes à caractère national, il y a une quotité pour Kinshasa, 60%, et 40% pour les provinces. Et Kinshasa, justement, en termes de production de richesses, a droit à 40% de la richesse qui est produite ici. C'est vrai qu'il y a des mécanismes, il faut maintenant que la caisse de péréquation puisse corriger les équilibres en province. Mais d'abord, ce n'est pas de l'aumône qu'on demande. Donc, parfois, le train de vie des institutions nationales met à mal justement la viabilité et le fonctionnement de certaines institutions provinciales. Donc ça, c'est le premier volet. Mais le deuxième volet, c'est la question, comme vous l'avez dit, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, la question de la moralité de certains. Donc certains députés provinciaux de Kinshasa, et même d'ailleurs, ont une moralité qui laisse à désirer. Il faut que l'équivalent le sache. On a reproché ces comportements pendant les 10 ans du gouvernement Kimbuta. On a dit à l'époque, le président de l'Assemblée provinciale était de connivence avec le gouverneur, qu'il n'y avait pas de contrôle effectif, il n'y avait pas un comportement, on va dire, républicain. Ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de travaux de fait, il n'y a pas eu de réalisation au niveau de la vie. Aujourd'hui, avec tous ces traitements, comment on peut faire? Moi, je suis très intéressé pour savoir, production législative faible, insuffisante, en 2020. Mais justement, est-ce que ça tient la route? Non, ça ne tient pas la route du tout. Parce que Jérôme l'a dit ici, vous avez eu 4 mois où il y a eu justement confinement de la Gombe. Réunion interdite, je ne sais pas combien de gens. De plus de 10 personnes. Il n'y a pas de plénière. Comment vous allez produire? C'est terrible. Et c'est symptomatique. Vous voyez-vous, oui, on reproche à une assemblée en 2020 de n'avoir pas produit suffisamment d'édits, de n'avoir pas suffisamment contrôlé. Mais comment cette assemblée provinciale allait-il le faire? Le bureau allait organiser le travail alors que Gombe était confiné pendant 4 mois, qui correspond à la période justement de la session parlementaire. Oui. Et même quand on a réouvert, il y avait interdiction d'un rassemblement de plus de 10 personnes. Oui. Alors, vous voyez que des déçus. Voyez-vous que là, ce n'est pas sérieux du tout. Quand on articule un tel grief dans une motion de censure, comprenez très bien que la moralité des personnes, justement des pétitionnaires, est à prendre justement avec des pincettes. Ce n'est pas sérieux du tout. Mais il faut crever l'abcès un peu. Qu'est-ce qu'on reproche finalement au président de l'Assemblée provinciale? Oui, Godempo, il pourrait pas. On lui reproche, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas avoir enclenché l'arme de destruction immédiate. On lui reproche cela. Les donc, députés, cette arme, ça doit être enclenchée contre le gouverneur. Contre Ngovila. Parce que comment se fait-il ailleurs? Mais c'est ça la vérité. Il faut tout le reste. C'est-à-dire que. C'est-à-dire comment se fait-il que le gouverneur de la province est aussi tranquille? Comment est-ce que lui, il ne passe pas la casserole? Il doit passer. Il doit sentir que son poste-là est en danger. Et il n'y a que les députés provinciaux qui ont cette capacité
D'ailleurs, la plupart de nos provinces, les gouverneurs passent 3 jours à l'Assemblée provinciale, 2 jours au village, 1 jour peut-être dans leur bureau. Parce qu'il est temps d'aller un peu se demander comment faire pour rester en poste. Mais ici, à Kinshasa, je ne sais pas quelle est la relation qu'il y a entre le gouverneur de province et le président de l'Assemblée provinciale. Mais si les choses se passent dans les règles de l'art, au regard du tempérament, pourquoi faut-il mettre le gouverneur dans des difficultés? Voilà, au regard du tempérament du président de l'Assemblée provinciale, oui. Jérôme l'a dit, un homme sensé, un homme correct, qui suit les procédures, etc. Oui. Je ne le vois pas, lui, enclencher cette arme-là. Et parce pour les députés, de la cause. Bien sûr, parce que les députés ont besoin de cette arme pour pouvoir allonger un peu aussi leur train de vie. On n'en a jamais assez. Vous enclenchez votre arme de pétition contre le gouverneur. On vous traite après. Et le président de l'Assemblée provinciale devrait convoquer régulièrement, une ou deux fois par semaine, les gouverneurs. Et le gouverneur devrait envoyer ses conseillers auprès des députés provinciaux. Pour un traitement particulier. Bien sûr. De façon que quand il y a eu vote, c'est cela la vérité. Goudimpo, il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? Alors les députés pensent qu'il ne le fait parce que lui, il est bien traité lui-même. Par le gouverneur. Par le gouverneur. Et comme il est bien traité par le gouverneur, alors il faut maintenant que nous puissions maintenant les traiter lui. Il ne faut pas aller loin. Maintenant. La vérité politique est là. Mais oui, Kalinga. Alors c'est tout. Oui. Mais là, comment on fait? Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Israël a raison. C'est une déviation éthique. Le pouvoir est un pouvoir de délégation. C'est un pouvoir obtenu par l'effort du peuple. On vous l'a confié pour nous amener dans une direction. J'allais vous poser cette question. Est-ce que ce n'est pas condamnable? Mais bien sûr. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de malsain? Quand on parle de changement de mentalité, de changement de comportement, du bien-être de la population, parce que ces gens qui sont élus, certainement, ont des fiefs, ont des bases. Il faudrait que nous sachions cela. La politique ne peut pas être un métier. On ne vient pas en politique parce qu'on veut nourrir sa famille. On vient en politique parce qu'on veut aider la communauté. Et pour pouvoir disposer du temps pour aider la communauté, on doit au préalable avoir réglé les problèmes personnels. C'est vrai, la communauté aussi doit prendre en charge ses élus. Aujourd'hui, notre ville de Kinshasa a beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. Je ne dis pas que le gouverneur, c'est le meilleur que nous ayons eu depuis. Je dis que le gouverneur aussi a certainement des choses à se faire reprocher. Mais je dis qu'une ville comme Kinshasa ne peut pas se payer le luxe d'une crise dans ses institutions. D'une instabilité institutionnelle. On ne peut pas se payer ça. Ce ne serait pas possible parce que les problèmes qui surviennent dans cette ville, nous sommes autour des 13-14 millions. Si vous allez simplement dans un poste de police, passer simplement 2 heures avec le général Kasongo, oui. Vous n'allez pas dormir demain. Le nombre de problèmes qu'il y a dans cette ville, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une crise institutionnelle. Il faut que les dispositifs d'intelligence stratégique dans la ville soient opérationnels au moment où on en a besoin. Pour tenir la ville. Pour tenir la ville. Parce que, imaginez, il y en a eu beaucoup, imaginez que les réseaux sociaux fonctionnent. Il faut simplement qu'un enfant de 8-9 ans disparaît quelque part à Kimanseke. Sa maman met sur les réseaux sociaux sa photo en train de pleurer. Dans la minute qui vient, dans les heures qui viennent... Ça bouillonne, même le chef d'État est au courant. Vous voyez, même la première dame est au courant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les dispositifs pour solutionner ce genre de problème puissent absolument exister. Donc le gouverneur doit être capable d'appeler le président de l'Assemblée provinciale, d'appeler le commandant de police. C'est une équipe qui doit travailler bien. Alors, Jérôme Sekana, il y a un autre point que je trouve blocage des questions orales. Ben, questions orales, en général, c'est quand il y a des plénières. Oui. D'ailleurs, mon ami William a répondu à cette question. Mais moi, laissez-moi un peu donner un éclairage. Vous savez que Kinshasa a la chance par rapport à d'autres provinces. Pourquoi? Parce que ce climat d'attente, de compréhension entre le bureau de l'Assemblée et le gouvernorat de la ville qui dérange ceux-là qui veulent utiliser l'arme de destruction immédiate. Immédiate, pétition. Voilà. Alors, motion. Vous avez à la tête de l'Assemblée provinciale un professeur d'université
un économiste chevronné, un douanier, un homme de Dieu, qui ne peut pas tremper dans des magouilles et dans la corruption. À la tête de la ville, vous avez un homme d'affaires chevronné qui n'est pas venu à Kinshasa pour s'enrichir. Les gens ne le savent pas. Ngobila, tel que vous le voyez là, c'est un homme d'affaires. Il pèse des millions. Mais il y a longtemps que Ngobila est un homme d'affaires et qu'il gagne beaucoup d'argent. Ce n'est pas un pauvre. Moi, je l'ai connu il y a une trentaine d'années en France. Deux là, il gérait déjà les deux fortune. S'entendent, oui, pour faire correctement les travaux. Et je vous donne une seule preuve dans une multitude. Godin Poyi va rencontrer First Bank, donc Afriland First Bank. Oui. Il dit, écoutez, en début de législature, nous voulons que nous puissions avoir la stabilité à laquelle faisait allusion Willy Kalengaï. Pour trois projets. Premier projet, la paix, c'est-à-dire les émoluments des députés. Deuxièmement, l'Union européenne nous a construit un immeuble, mais nous sommes confinés, il faut une annexe, parce qu'il y a un bâtiment qui sera inauguré dans 2 semaines. Et il faut trouver la mobilité. Eh bien, à Finland, First Bank a sorti l'argent. Ils ont eu ce crédit. 3 973 000 dollars américains. Chiffre précis. Plus 1 milliard 25 millions de francs congolais. Si j'ai dit ici que il n'y a pas tellement de problèmes dans la ville de Kinshasa, malgré le confinement, malgré tout ce qu'il y a, des problèmes à gauche, à droite, eh bien, les députés provinciaux touchent les émotions. Et vous savez qui paye? Non. C'est la ville. Ah oui? Ah! C'est le gouverneur, avec ses recettes, qui paye, parce qu'il y a un échelonnement, un étalement. Donc, les intérêts, le remboursement de ces crédits, c'est une preuve de vision. Une preuve de vision, de stratégie. Et ça dérange. Ça dérange. Alors, comment voulez-vous, quelqu'un comme Godin Poyi, il sait très bien que le gouverneur qui est là, il a le souci de développer la ville, qu'on le veuille ou non. Vous voyez le cas de Lingessa, le chef de l'État est venu voir, voilà, on est en train de casser le marché. Il a une vision et lui dit, pendant que les autres viennent... Mais pourquoi il faut le tirailler alors? Non, maintenant, et ils vont voir, les députés provinciaux là vont voir Godin Poyi, mais il faut Asanza. Il faut appeler ça. Donc, l'arme de destruction. Mais il faut sans ça. C'est pour l'intérêt de qui? Voilà ce qu'il lui demande. Oui. Il faut qu'il nous nomme. Il nous mette dans son gouvernement parce que ceux qui sont là-bas sont bien. Et pourtant, chaque député a des prados dans les crédits dont je venais de vous parler ici. Il y a même ceux qui ont deux jeeps grâce à ça. Donc, ils sont gâtés. Les autres disent, écoutez, non. Il faut que vous puissiez lui demander de l'argent qu'il nous donne. Il faut qu'il y ait des interpellations, des motions. Alors, on ne fait pas des motions alimentaires, non. S'il y a des problèmes, les jours où Ngobila aura des problèmes, on va l'inviter. Alors, comme lui, il navigue à contre-courant, donc il ne met pas sur la même longueur d'onde avec ces députés-là, eh bien, on lui crée des problèmes. Alors, comme vous ne voulez pas que nous puissions enclencher l'arme de destruction immédiate, qu'on ait l'argent, parce que le gouverneur doit être déstabilisé comme les autres, alors on s'attaque à toi. C'est ça le chapelet. Est-ce que l'opinion, Eric Tchoukouma, l'opinion que vous représentez aujourd'hui, parce que quand même votre voix fait autorité, lorsque vous exprimez sur des dysfonctionnements comme ça, il va y avoir une plénière à Kinshasa, de ce lundi, une plénière au niveau de l'Assemblée provinciale. Est-ce que ceux qui nous suivent doivent comprendre ces dérives? Parce que s'ils étaient impayés ou mal payés, pas véhiculés, pas d'endroit où travailler. Je me rappelle qu'il y avait une communication comme ça qu'au Kassa et à Chikapa là-bas, les députés se réunissent dans une église. Ils ont même d'arriérés à payer de cette église. Mais ici, il y a une plénière qui se tient dans un bâtiment, il y a même l'annexe qui va avec. Dans 2 semaines, qui sera inaugurée dans 2 semaines. Alors, est-ce que l'opinion de Kinshasa, dont vous êtes l'un des leaders quand même, ne doit pas retenir que s'il y a des pratiques qu'on ne doit plus accepter? Bien sûr, ça c'est une évidence. Je pense que le chef de l'État a donné le ton. Et chaque quinois, lui-même, le chef de l'État, c'est un quinois. Bien sûr. Voilà, c'est un quinois par... Et il est dans la, il est dans la circonscription, ville de dans la ville de Kinshasa, géré par ce gouvernement provincial. Et tous
Quinois devrait comprendre ce qui se passe actuellement au niveau des institutions provinciales. Des institutions provinciales que eux-mêmes, nous-mêmes les Quinois, avons choisi des représentants pour travailler au sein des institutions. Est-ce que les gens sont à l'aise? Je vais continuer. Est-ce que les gens seront à l'aise en partant? Moi, j'ai documenté un peu, j'ai fait mon travail de journaliste. Présenter ces documents, ces griefs à la plénière avec crédibilité. Je pense que les députés provinciaux seront face à leur conscience. Israël Moutal a parlé d'une question éminemment éthique ici. Je pense qu'ils devront se mettre face à leur conscience pour décider sur le vrai, sur ce qui est censé, ce qui est correct. Parce que les Quinois sauront, après leur décision, ce qui s'est passé. Parce que la vérité est là. Je pense que Willy a dit ce qu'il y a. Et c'est une situation qui n'est pas... Israël Moutal a parlé tout à l'heure des valeurs morales, d'éthique. Justement, je pense que c'est ça le problème. Donc demain, c'est demain lundi, oui, il y aura une plénière. Oui, il y a qui tient ça. Et les députés provinciaux seront face à leurs responsabilités. Ils peuvent, comment est-ce qu'ils peuvent nous regarder, nous les Quinois, oui, nous leur administrer dans les yeux et nous dire voilà, ils reprochent à Godin Pouy le fait que le bâtiment annexe qu'on construit n'est pas achevé. Sachant très bien que les travaux étaient interrompus à cause de Covid. Mais évidemment. Est-ce que il n'y a pas de bâtiment là. Vous trouvez que ces gens là-bas sont sérieux vraiment? Ils vont nous regarder droit dans les yeux et nous dire voilà, on reproche à Godin Pouy, le fait que c'est pas sérieux. En fait, ils vont se retrouver face à leur conscience. C'est pas sérieux. Et face à la population, aux Quinois qui vont leur regarder demain avec un autre œil. Parce que Israël l'a dit tout à l'heure et c'est la question à laquelle vous m'aviez posé au début que je n'ai pas répondu. Oui. Mais comment expliquez-vous que la session des mars, qui est partie de 15 mars au 15 juillet 2020, nous savons que c'est une période où il y avait Covid, il y avait le confinement, il n'y avait pas plénière, même à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas plénière. Comment voulez-vous que l'Assemblée provinciale déroge à cette... Et qu'elle produise continue de produire des édits. C'était impossible. Et vous savez qu'après la session, les députés vont en vacances. Ils ont 3 mois de vacances. Lorsqu'ils reviennent en septembre, c'est encore les couvre-feux, les mesures restrictives qui ont été prises par le gouvernement, évitant à ce qu'il y ait des rassemblements de plus de 10 personnes. Comment voulez-vous que l'Assemblée provinciale continue à déroger à cette règle? Et je pense que ils ont sollicité. Je me souviens que pour des raisons d'examen de vote de l'édit budgétaire de 2021, l'Assemblée provinciale avait sollicité, je pense, 2 ou 3 séances au niveau du ministère de l'Intérieur qu'ils ont obtenu, et c'est ce qui a été fait juste pour voter l'édit budgétaire de cette année. Donc, alors, je pense que les députés provinciaux, demain, M. Jean-Marie Kassamba, devraient se mettre face à leur conscience, tout en regardant droit dans les yeux le peuple congolais qui les a élus, afin de pouvoir décider en âme et conscience sur les griefs qu'ils reprochent au président de l'Assemblée provinciale et à tout son bureau, et voir comment est-ce qu'on va... Jérôme Sekana, qu'est-ce qu'on reproche à Godin Pouy? Dans ce pays, on a cherché des gens d'une certaine probité, les gens qui avaient un certain courage, les gens qui peuvent prendre des mesures, on va dire, salutaires pour tous. Mais bizarrement, tout ceci est un peu fait quand même. Dans un contexte plus ou moins difficile, mais on trouve qu'il y a des élus qui vont outre ça. Vous savez que Godin Pouy, on a même attenté à sa vie. Ah bon? Oui. On a attenté à sa vie. C'est-à-dire? Des gens qui se sont introduits avec revolver dans son église pour l'abattre. Oh. Oui. Donc, pourquoi? Parce que aussitôt
qu'il est arrivé à la tête de l'Assemblée provinciale, il a mis le mécanisme anticorruption. Anticorruption. Oui. Et il a tout fait pour qu'on ne puisse pas accorder un répit, qu'on ne puisse pas accepter que la magouille financière qui avait élu domicile dans ces genres de structures les arrangements. Puisse se perpétuer. Et du coup, il y a eu des flèches enflammées contre lui et ceux qui cherchaient à les déstabiliser ont compris que non, il faut peut-être aller jusqu'à attenter à sa vie. Donc, ce sont des choses que nous vivons. Mais ce qui nous intrigue, nous, en tant que Quinois, et surtout en tant que journalistes économiques, nous devons regarder l'avenir de ce pays. Nous avons peu d'hommes d'État dans notre pays. Et lorsque nous avons des gens qui sortent de l'ordinaire, des gens... Il faut les protéger. Nous ne disons pas que bon, Godin Poy, c'est un saint, il n'a pas de... Non, oui, il a des problèmes comme tout le monde. Oui. Mais en regardant, je venais de vous donner un seul exemple, ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire avec le gouverneur Gobila, qui est venu aussi là, non pas pour s'enrichir, parce qu'il n'a pas faim. Il est à l'abri des petits besoins, oui. Mais on peut quand même mettre ces deux personnalités ensemble pour l'intérêt supérieur de la ville de Kinshasa. Mais voilà que les députés trouvent maintenant l'occasion de, comme ils ne donnent pas de l'argent, pour servir leur tube digestif, il faut les faire partir. Il faut les faire partir pour les remplacer par qui? Par des gens qui vont commencer à distribuer l'argent, et puis par après, on n'aura pas des investissements. Donc, dans une année, on aura un nouveau marché central. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose par rapport à ce qu'on avait? Il y a la voirie qui a commencé. Dans deux semaines, on va inaugurer l'annexe là. Et puis, pendant que certains députés provinciaux sont en train de pleurer 9 mois d'arriérés, chaque mois, leur compte est crédité. Qu'est-ce qu'on veut encore? Donc, voilà pourquoi nous disons, nous devons préserver les acquis. Et puis, il y a un dernier élément. On dit aux gens, bon, il n'est pas de l'union sacrée. Mais bien sûr, on a entendu ce genre de choses. Mais écoutez, le président de la République a été clair. Est-ce qu'il a dit que c'était obligatoire? Le président de la République a dit tout le monde vient. Et les gens sont venus. Les gens sont venus du PPRD, même les plus classiques sont venus. Alors, au nom de quoi on va dire non, parce qu'il n'est pas de l'union sacrée, parce qu'il est du PPRD? Non, nous devons sortir de ces bassesses-là pour essayer de faire prévaloir les valeurs. Lorsque vous avez un homme d'État qui travaille bien, quelle que soit sa couleur politique, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa religion, nous tous, nous devons les soutenir. Et c'est pour cette raison que vous nous voyez autour de cette table, sur ce plateau, pour essayer d'interpeller les députés provinciaux. Parce que lorsqu'ils vont voter, oui. Maintenant, les Quinois savent. La réalité monde, demain, je connais quand mon ami William parle de la bombe de destruction immédiate. Demain, vous risquez la d'avoir ça dans les journaux. Les Quinois immédiate. Ont suivi. Pétition. Donc, pétition. Les députés auront des comptes à rendre. Hein, qui n'oublient pas ça. Oui, Kalingaï. Je sais que vous avez lâché la bombe de destruction immédiate. Et ceux qui ont minuté cette affaire doivent se poser des questions ce soir. Parce que nous, on va vous avoir à l'œil. Ça, je peux vous le dire. De toute façon, on va déployer nos équipes là-bas. Il faudra qu'on ait d'autres arguments que ces arguments que nous avons glanés un peu partout. Parce qu'on ne peut pas, dans un pays normal, quelqu'un concocte des raisons d'exister, de preuves qui n'en sont pas, et puis on dit voilà, c'est ça qu'on reproche à Godin Poy ou à Jean-Denis Gobila, parce qu'effectivement, il y a la politique de Otto Guilmette. De toute façon, nous ne pouvons pas arrêter la marche démocratique. Les députés provinciaux... Ils ont leur activité, c'est tout à fait ils normal. Ont leur activité. Il faut que ça tienne la route quand même. Ils peuvent faire une pétition, ils peuvent demander des comptes à leur président. C'est leur droit. Oui. Mais la question de ce soir, je crois qu'Israël l'a bien dit, c'est une question de finalité philosophique. Nous ne posons pas les actions parce que nous voulons qu'on nous voie. Les actions sont posées parce que elles poursuivent un but précis, et les buts précis, c'est le développement de la communauté. C'est le progrès collectif. Donc, chaque action qui est posée par un député,
par un ministre ou par n'importe qui, même par les chefs de l'État, c'est des actions qui sont censées apporter ce que nous appelons ce progrès collectif. Si les députés provinciaux estiment en âme et conscience que leur président a tellement fait de mauvaises choses qu'il mérite d'être mis à côté, eh bien, on ne peut pas empêcher les gens de se faire du mal à eux-mêmes. Parce qu'ils se feront du mal. Ça signifie qu'ils vont renoncer à tout ce qui a été mis en place en leur faveur. De l'autre côté, je voudrais vraiment m'adresser au président de l'Assemblée provinciale. Oui, Godempoy. Faire du bon travail est une chose. Mais il doit savoir que la politique est une activité ingrate. Que quand vous posez des actes en faveur de la communauté, ne vous attendez pas à ce qu'on vous applaudisse. C'est comme ça que l'homme politique est guidé par la conscience du bien qu'il a posé, mais surtout aussi les résultats de la finalité des bénéficiaires. Si la population est contente, alors j'ai bien fait mon travail. Donc qu'il présente ses moyens de défense, qu'il soit convaincu que s'il a fait le bon travail, je crois que dans l'Assemblée provinciale, il y a encore un noyau de bon sens, il y a encore des députés qui ne sont pas des manipulateurs. Et qui nous écoutent en ce moment. Qui ne sont pas des manipulateurs. Et qui doivent comprendre que les valeurs, c'est très important. Je pense que regardez ce qui s'est passé dans la province du Kasaï oriental. Oui. Hier, déjà, il y a eu manifestation, il y a eu échange des coups. Les Congolais du Kasaï oriental se sont battus entre eux. Pourquoi ? Parce que quand vous activez les questions identitaires, quand vous activez les questions passionnelles, vous faites reculer la société. La société avance par rationalité. Et une organisation comme l'Assemblée provinciale, avec ce que nous avons, nous suivons, je pense qu'elle avait la chance d'avoir des bons dirigeants. Peut-être que certaines personnes n'aiment pas le bien. Certaines personnes sont contre l'intégrité. Vous êtes dire là, hein? Peut-être que certaines personnes sont contre l'intégrité. Qui peut ne pas vouloir du bien? Mais parce qu'il y a des personnes... De l'éthique. Certaines personnes, pour agir, doivent éteindre la lumière. Parce que leurs actions sont des actions ténébreuses. Alors, éteignez la lumière à l'Assemblée, agissez dans le noir, mais nous finirons, le soleil finira par éclairer. Mais évidemment, nous sommes là comme témoins. Nous saurons ce qui s'est passé. Vous voyez, nous saurons ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ne peuvent jamais agir dans la lumière. Nous, nous ne sommes pas des politiques. Nous portons chaque jour les stigmates de la misère de notre population. Nous écrivons chaque jour des faits qui touchent nos entrailles. Faites un article sur les viols, sur l'assassinat, sur le détournement des ressources, sur les grèves des travailleurs. Il y a tellement de choses dans lesquelles nous baignons. Parce que faire un article de presse, c'est baigner dans ce monde-là. Nous vivons avec tout cela. Alors nous ne pouvons pas permettre que là où il y a un peu de chance d'avancer, que les gens qui sont contre ce pays, parce que être contre notre pays, c'est être contre le progrès. De toutes les façons, c'est eux, c'est entre leurs mains. Merci. Ils vont décider. Merci beaucoup, Eli Kalenga. Terminons avec peut-être une observation, Alain, dans le même sens, d'Isaïe Moutala. Vous avez parlé des mots qui doivent interpeller l'éthique et la morale. Le président de la République répète à longueur de journée: je vais travailler sur l'homme. Je concentre mon action sur l'homme. Et l'homme, l'élu de Kinshasa. Il y a eu déjà, au niveau des élections, des sénateurs ici à Kinshasa, des interpellations là-dessus. Est-ce que ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale aujourd'hui ne doit pas interpeller la conscience collective? Ce qu'a dit Willy, c'est très fort. Très fort. Nous, très sommes là pour défendre, en quelque sorte, l'image de ce pays. Absolument. Kinshasa, c'est la capitale. Absolument. Lorsque vous voulez déstabiliser cette capitale, avec en filigrane des comportements un tout petit peu maladroits, est-ce que ça tient la route? Jean-Marie, ça ne tient pas à la route, parce que moi, je pense que une pétition ou une motion, pour moi, je conçois ça comme un acte de responsabilité. Pas un acte pour régler des comptes à quelqu'un. Voilà pourquoi je pense que sur les 48 députés provinciaux, il y a certains encore qui ont gardé leur âme pure pour faire triompher la vertu. Je rappelle ici que Godempoy quand même s'est fait remarquer
pour son action, bonne gouvernance à la tête de la ville. Donc, il a récupéré les patrimoines de la ville entre l'ancien gestionnaire. Il voulait poursuivre l'ancien... Qui a fait la prison, d'ailleurs. Oui, ouais, qui a fait la prison. Qui a fait la prison. Donc, ça veut dire que c'est le seul... C'est le seul... Qui a fait ainsi. C'est le seul, quand il a pris le pouvoir à l'Assemblée provinciale, la première institution de la ville, qui a posé des actes concrets dans le sens de matérialiser la bonne gouvernance. Il n'y a pas deux présidents des assemblées provinciales, il n'y a même pas deux ministres. Donc, quand il a pris le pouvoir, il a posé des actes concrets pour magnifier la bonne gouvernance. Et il a indiqué la voie. Mais nous sommes dans une société où, justement, nos maux, nos problèmes ont pour origine la médiocrité de la classe politique. Et c'est dommage. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, cette pétition contre le bureau, elle se résume à un seul adage. Qui veut noyer son chien ? L'accuse de rage. Mais, et ici, dans le cas d'espèce, je pense que nos députés, les députés provinciaux, certains que j'ai vus, ça veut dire que ils ont même demandé à poursuivre, à faire des motions. C'était leur droit, des pétitions. Mais sauf que, sur le plan formel, il y avait des vices, il y avait des problèmes. Des vices au niveau de la pétition. Absolument. Donc, même cette pétition ici, oui, sur le plan formel, c'est leur droit. Mais sur le plan du fond, elle est vide. Sur le plan du fond... C'est vide, parce que absolument. Tous les points qu'on a énumérés tout à l'heure... Elle est vide. J'ai vu tous les griefs, je les ai examinés. Oui. Tous ces griefs là-bas, ça ne tient pas la route. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a gagné à avoir une stabilité dans des institutions. Les institutions doivent être stables. Donc, une des conditions pour que la démocratie avance, pour qu'il y ait du développement, c'est la stabilité des institutions. Et moi, je pense que les institutions de la ville actuellement, elles ne sont pas parfaites, mais cette stabilité nous permet d'avoir un cap, d'avancer et de leur demander de comptes. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez bien compris que c'est notre façon d'alerter. Nous sommes les témoins, les historiens du présent qui sommes là pour... Réfléchis. Oui, peut-être un dernier mot. Oui, vous m'aviez. Un dernier mot, excusez-moi. La démocratie, c'est aussi cela. Bien sûr. J'allais conclure, excusez-moi. Oui, je pense que ce que je voulais ajouter en conclusion, c'est que la pauvreté, l'égoïsme, la recherche du positionnement personnel ne devrait pas aliéner. Positionnement personnel, dites-vous. En fait. Ne devrait pas aliéner notre conscience. Ne devrait pas aliéner le bon sens. Ne devrait pas aliéner notre patriotisme. Donc, je pense qu'ici, les députés provinciaux sont face à leurs responsabilités. Ils devraient agir dans le sens de pouvoir aider la ville-province de Kinshasa à pouvoir développer des mécanismes qui puissent assurer sa viabilité économique. Les Kinois ont des sérieux problèmes, et des sérieux problèmes pour lesquels ils attendent à ce que les autorités provinciales, c'est-à-dire Assemblée nationale, Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, puissent travailler de commun accord afin de pouvoir solutionner leurs problèmes. Au président de l'Assemblée provinciale, je lui dirai, c'est l'occasion d'ailleurs, je l'encouragerai à pouvoir rester serein, à continuer à travailler correctement, qui n'ait pas peur de la motion, et même s'il arrivait que les députés provinciaux décidaient demain à le faire partir, il reste député provincial, il va continuer à faire son travail, et les actes qu'il a déjà posés, je pense qu'Israël l'a dit tout à l'heure, ça va plaider en sa faveur. Et je pense que c'est aussi une opportunité pour lui de se remettre en cause, de voir là où ça n'a pas marché, pour pouvoir arranger ou améliorer davantage demain, afin que le travail qu'il va faire ensemble, parce que le travail de l'Assemblée provinciale, il est collégial, il n'est pas personnel. Toutes les actions qu'il a initiées et mises en œuvre au niveau de l'Assemblée provinciale, ça ne va pas seulement à son bénéfice à lui tout seul, c'est au bénéfice de l'ensemble des députés provinciaux. Et je pense qu'ils ont l'obligation de pouvoir travailler de commun accord, main dans la main, pour que Kinshasa puisse avoir le moyen de sa politique, Kinshasa puisse revêtir sa plus belle robe. Merci beaucoup, Eric Tchoukouma. Vous avez ici des spécialistes politiques, économiques, d'analyse des stratégies, pour comprendre que
nous ne sommes pas complaisants lorsqu'il s'agit des dérives. Nous serons témoins demain à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, lorsqu'il y aura cette plénière, des équipes seront déployées. On va examiner, écouter ensemble ce qui sera présenté comme argument et, ma foi, voir qui des députés prendra la responsabilité de cautionner ce qui n'est pas aujourd'hui acceptable. Allez, portez-vous bien. Cette émission est en lien live sur l'Internet. Donc, vous pouvez l'écouter, réécouter, échanger, partager jusqu'avant la plénière pour que vous compreniez que les journalistes de Kinshasa sont très vigilants quant à ce que la ville soit calme et les institutions. À la fois.